Mesdames et messieurs, Wamienzi Wamiena, merci de nous retrouver sur les antennes de Live TV pour votre rendez-vous télévisé préféré. Nous sommes jeudi, 4 jours après la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire et j'aimerais que vous fassiez encore du bruit pour nos valeureux fascidaires. Voilà! On ne finira jamais de les remercier, on ne finira jamais de les magnifier, on ne finira jamais de les acclamer, de les célébrer, car ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, une émission exceptionnelle, remplie de flow, de rimes, de lyrics, de rap, de freestyle, avec l'un des meilleurs rappeurs du continent africain. Ensuite, on aura un maître du buzz, un maître des réseaux sociaux, roi du rire qui nous enjaille depuis de longues années. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'inimitable Winnie Dumbo. Merci. Merci, merci. Le matin, je me réveille, je vois mon œil droit enflé. On dit c'est Apollo. Hey Toi là, tes façons de faire 20-20-20 là, faut pas faire 20-20-20. Alors, ton vilain câble là. Ça commence, ça va? Ouais. Donc, ne vous approchez pas trop de moi aujourd'hui là. Sinon, je vais vous apollotiser. Si je me réveille et puis je vois que lui là il est ouvert et puis lui là il est quoi? Hey, Yeti. Jusqu'à même les moustiques même qui sont dans ma chambre là disent viens pas attendre, t'aider, ils tirent. C'est ma bouche ou bien ça? Vous avez vécu ça ou bien ça? Vous avez vécu ça? Après maintenant, quand ça s'est ouvert là, j'ai dit po. Tu as l'impression que ça va te brûler, tu as l'impression que ça. Yeah! C'est la première fois depuis que je suis né dans ma vie là que Apollo est tombé sur moi. Allez, Willy! Donne l'amusement là où on parle là, tiens Apollo. Il y a Apollo qui est. Ou Apollo. Viens, regarde-moi. Allez, voilà, donc du coup, je cherche lunettes de soleil. Et tu connais son médicament? Viens, t'as me dit. Voilà, elle est docteur, elle est actrice, elle est danseuse, elle est actrice, elle est mère au foyer, elle est sage-femme, elle est guérisseuse, tradie, praticienne. Elle combien? Ta parole est vécue au nom de Jésus. Faut mettre ton pipi dessus. Hein? Faut mettre ton pipi, faut mettre ton yeux avant de dormir. Yeah! Mets ton pipi. C'est bon, faut faire. Ton pipi, faut pas prendre pour quelqu'un, c'est pour toi, mais tu dois prendre. Ok. dans Salama, je veux prendre ton œil pour faire là-bas en même temps. Ah! T'es bête. Bon, j'ai écouté les conseils donc de Ma. Ma a dit qu'il n'est qu'à prendre ton urine. Urine pour mettre sur l'œil là. Elle dit pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. D'accord. Allez, c'est l'un des acteurs les plus importants donc, sur notre continent. Artiste international, il s'est bâti donc une solide réputation par la force de son rap et surtout le succès de ses tubes. Il est venu tout droit donc du continent. Le très talentueux Stanley Elno sera là dans quelques instants. En cette période de buzz entre ses amis, il a décidé donc de passer ici pour dire sa part de vérité. Le web humoriste, acteur Pancho le gâteur, désormais Pancho la sagesse, va nous rejoindre aussi tout à l'heure, dans quelques instants seulement. Oui. Allez, en attendant de nous enjailler avec nos amis du jour, il faut une bonne dose d'immaturité, mais surtout aussi d'Apollo. Hein. Je m'appelle Willy Dumbo et qui est né pour réussir et sur Live TV, la TNT Billy, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Oui. Merci du fond du cœur. Yep, bon. Faut pas doubler mon Apollo. Hein. Je vois les résidus bizarres sur vos lunettes là. Faut porter ça.
Oh Dieu, je ne suis pas venu pour danser. Je ne me porte pas bien. Je ne me porte pas bien. Ils m'ont lancé un sort sur l'œil. Apollo direct. Et hier, je voyais les gens me poursuivre. Je ne sais pas, mais oui, je voyais des gens qui me poursuivaient. Je sais pas un gars qui était un peu court parmi eux. Non. Un gars court qui avait porté Jean, il ne sait pas, un jean, il ne sait pas si c'est noir, bien c'est treillis. Et puis il me poursuivait. Avec un, en tout cas, mais le feu sur la personne. La personne aussi. La personne me poursuivait avec toutes ses dents comme ça. Allez la famille, on ne va pas déroger à la règle, celui qui rentre maintenant, bien sûr. Je sais que je vais lui transmettre aussi l'Apollo parce qu'on va partager le même micro. Voilà, on fait du bruit, s'il vous plaît, pour l'homme mosaïque. Kosodou, ouais. L'homme du Messie. Oui. Est-ce que ça va? Ouais. Popolo. Tapez les gars. Allez. C'est Mali. Les informations des journaux. Oh, 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 oh. À la vie, quand elle était matin, après la canne, oh, oh, oh. Water a confié une nouvelle émission à Mambé. Le dieu de Chaka, le dieu de Chaka, président et le premier ministre, ce sont des 10 et des 10. La mission là, c'est pas Mélo. La mission là, c'est pas Mélo. Avec le patriote, Begré Mamé, Robert Begré Mamé. Oh, 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 oh. Au chef de l'État, au chef de l'État, vous êtes une chance pour notre pays. Hey. Ado, 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 puissance, Amaïde, puissance, ado, puissance, Amaïde. Le monde entier a déposé. On va poursuivre avec le sang ivoirien. Yo bougon, quand le 2023, Adama Bitogo, on en prend qu'un caissier. Eh, Ouma, t'as quitté, merci la panda. Oui, Abidjan va crier. Je n'entends pas. Paris va crier. Allez, hey, États-Unis va crier. Tout le monde, un, deux, trois. On va sortir dans dos, 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 dans dos. On va sortir dans dos, dans dos, dans dos, dans dos, dans dos, dans dos, dans dos. Oui, bonjour, mesdames, 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 les paroles de la mélodie. Je vous salue depuis William et Jill, les belles mains. C'est moi l'homme qui blessing et la va rebelle les mélodies Nazali Moté Magatala qui va mon ami Soko Matala maman ami Soka Atala mon amaro Atala Kou Atala qui Soko Togo Manatala Kandina Kaka. Oui, Simba, 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 allez, Simba. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Ouais. Dépose le micro, va laver tes mains. Ouais, faut pas... Dépose, dépose. Faut pas dépose. Que tu oublies. Non, coupe, coupe, coupe. Coupez, coupez. Coupez, coupez, coupez. Yélio, ouais. Tu as frappé ton dos jusqu'à elle a même là, elle n'a plus d'eau. Kosovo, après ce sera quoi la prochaine sortie? Bon, il y a tellement de sons. Il y a quoi? Il y a qu'à moi. Il y a Wawo. Wawo. Il y a Wawo, fit de Bordeaux. Ouais, wow.
Il y a le son avec Roga Roga. On va ils voir. Cette année. Voilà, là. Cette année, il y a beaucoup le de son, c'est Kouirasson. Voilà. Restez le son là seulement. Quand vous mettez les dando, là, vous pensez que c'est passé. Voilà. Donc c'est son finiment. Il y a beaucoup de sons. Plein de sons. Restez là, regardez seulement. Donc, Wawa arrive bientôt. Commencez à prendre vos photos à lui. Bientôt, là. Fiu. Foua. Après, quand il ne va pas vous reconnaître, vous dites non, mais moi, je venais. Mais tu venais. Est-ce que tu venais vers lui? C'est le moment d'encourager. Oui! Oui! On fait du bruit pour l'André Blessing, s'il vous plaît. En tout cas, Landry, ta tenue est très très belle. Franchement, j'appelle ça mosaïque, arc-en-ciel. Voilà. Allez, la famille, avant de partir à la pause alimentaire, on a une amie qui vient donc tout droit donc, de la Guinée. Je vais vous demander de l'applaudir très fort, Sylvie Stone. Encore du bruit pour elle, s'il vous plaît. Waouh. Assez comme un grand. Merci. Waouh. Regardez comment c'est magnifique, c'est beau. Je vois Sébastien Aller. Waouh. Regardez, c'est magnifique. Est-ce que les gens peuvent ou bien, attends, je laisse un ici. Voilà. Tu peux tourner, s'il te plaît, à l'heure et de l'autre. Comme ça, là. À l'heure et là, voilà. Oui, à l'heure, là. OK. D'accord. S'il te plaît. Et puis, bon, ça, là, regardez. Attends, tu es bien. Ils peuvent toucher. Oui. Regardez. Vous touchez comme ça. Non. C'est une œuvre d'art. Respectez l'œuvre d'art, s'il vous plaît. Exactement. Voilà. C'est parce que toi, tu ne t'assois pas dessus pour te faire 5 heures que toi, tu dis c'est œuf ou bien. Respectez les œufs d'art des gens. Hein. Là, tu penses que ça, là, c'est des... Bon, c'est bon, donnez. Ne faites pas, c'est bon. Voilà, Africain grogne vraiment. Voilà. Comment ça va, Sylvie Stone? Ça va, Dieu. Ça va super bien. Tu viens de la Guinée, en tout cas, rapidement. Et franchement, c'est un talent qu'on a voulu mettre aussi, donc, ici en exergue. Alors, tu fais des designs sur des chaussures. Ouais, sur des d'accord. Chaussures. Je pense que c'est magnifique, hein, n'est-ce pas, les esprits. On peut l'applaudir très fort. Voilà. Et tu fais ça depuis combien d'années maintenant? Non, environ trois. Trois ans. Ouais. D'accord. Tu as appris ça quelque part ou tu... Bon, je suis étudiante en architecture, on fait de l'art en même temps. Donc, ah, architecture? Ouais. J'ai voulu bien essayer l'art aussi, en parallèlement, quoi. Ouais, parallèlement. Ouais. D'accord. Waouh, super. Et là, c'est-à-dire, tu achètes une chaussure? Et puis maintenant, tu la redesignes, en fait. Exactement. C'est magnifique, hein, franchement, en toute honnêteté, je pense que... Voilà. Et donc ça, par exemple, ça t'a pris combien d'heures? Bon, combien ça dépend de la motivation. Ça peut faire moins d'un jour. Moins d'un jour. Tout comme plus d'un jour. Plus d'un jour. Très ça bien. Ça dépend de la motivation. Tu travailles généralement avec quoi? La bon, peinture. Bon, ça a l'air, donc on est motivé. Bien sûr. Exactement. Si. Il est tout beau et c'est facile à réaliser. Ouais. Et généralement, tu travailles avec quoi? Avec de la peinture? Oui, de la peinture. À eau, à huile? Non, de la peinture acrylique. Acrylique, hein. Ouais. D'accord. C'est... Peinture acrylique, c'est les peintures qu'on utilise donc pour la peinture. Voilà, peinture, les œuvres d'art et autres. Et tout ça, exactement. C'est magnifique. Voilà, exactement. Je vois Sébastien. Et puis tout juste à côté ici, Aller. Voilà, Sébastien Aller. Franchement, applaudissons encore, son travail est remarquable. Voilà. Et généralement, tu as une page, c'est ça? Bien sûr. La page, c'est quoi? Nana Stone officiel. Nana Stone, tu peux épeler. C'est... Nanastone. D'accord. N-A, c'est collé ou c'est séparé? Oui, c'est collé, Nana Stone. D'accord. Donc, Nanastone. Exactement. Nanastone. Très bien. Est-ce que tu es soutenu ou bien c'est quelque chose que tu fais seul bénévolement bon, ou bien tu le fais commercialement? Exactement, c'est moi qui me soutiens. En fait. J'ai des proches qui soutiennent bien sûr, mais c'est moi à la base. Quoi. Ouais. Est-ce que hormis le fait d'acheter simplement donc, des chaussures de marque déjà et puis les redesigner, est-ce que tu ne penses pas peut-être aller plus loin, c'est-à-dire créer toi-même ta propre marque et autres? Bien sûr, j'y pense. C'est pourquoi je travaille petit à petit pour arriver à ça en fait. Très bien. Ouais. Très bien. Plus tard. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est construire des maisons, faire des plans ou juste te consacrer combiner, à ça? Combiner l'art et l'architecture parce que c'est possible. C'est ça. Ouais. Très bien. Cette chaussure-là, c'est Sébastien Aller. Je ne sais pas, c'est pour qui? C'est pour lui? C'est pour lui, bien sûr. Ah. Je vais laisser ça ici, tu vas lui donner pour moi. Ah, d'accord. S'il n'a pas pris, il est porté aussi. Non, je décolle. Sébastien Aller, voilà ta chaussure ici, ils auraient designé. Oh. Ouais, je ne sais pas comment elle te donner. Peut-être qu'il est déjà parti. Mais c'est qui est sûr, il a fait toi à l'hôtel ou bien il est allé quelque part là-bas et puis il a donné. Voilà. Donc voilà ça. Si tu es pas aussi, ça me fait plaisir. J'ai gardé ça. Voilà. En tout cas, franchement, Stone, Nana Stone, tu as du talent. Merci. Je pense que tu as designé aussi une chaussure donc, avec ma tête dessus. Bien sûr. Et elle me l'avait offerte donc, en Guinée. On était allé pour
le match de gala de grand-père. Oui. C'est grand-père lui-même qui m'a offert ça, voilà, de ta part. En tout cas, merci infiniment. Comment ça se passe pour les commandes? Généralement, les gens viennent vers toi avec leurs chaussures et ils te demandent de redesigner, c'est ça? Tout est possible. Il y a des gens qui veulent renouveler leurs chaussures, tout comme il y a des nouvelles commandes. En tout cas, je suis joignable sur ma page et mon WhatsApp aussi. D'accord. En tout cas, si vous voulez envoyer chaussures, là, s'il vous plaît, à cause de Dieu, envoyez les chaussures dont l'intérieur sent bon. N'envoyez pas chaussures, puis la personne va travailler, puis la personne en coupe. Après, c'est pour donner rhume à la personne. En tout cas, Nana Stone, bravo encore à toi. Merci. Est-ce que tu as un autre message à l'endroit? Donc, voilà, tu regardes la caméra qui vient de s'allumer là, à la 5. Bon, je ne sais pas, je pas grand-chose. En tout cas, la chose de Alors, je l'ai fait parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué. Si. Voilà, son histoire et son parcours jusqu'à l'obtention de la Coupe de l'Afrique. J'aimerais passer de chaussures, lui motiver. Et moi aussi, personnellement, ici, je viens. Je suis très heureuse de passer là. Et merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité. Merci. Et j'espère que les Ivoiriens seront intéressés par mon activité. C'est ça. On va rapidement redonner, donc, on va rapidement redonner je veux dire, le moyen pour te contacter. Oui, hein, c'est sur les réseaux sociaux Nana Stone. Nana Stone. Donc, N-A-N-A-S-T-O-N-E. Exact. Ça marche. Merci infiniment d'être passé. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bon. Allez, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Wama. Tout à l'heure. Hop. On est de retour pour le plateau de Wama. Merci infiniment d'être avec nous. Allez. Merci. On va, avant de poursuivre, donc souhaiter un joyeux anniversaire à Abel Kwame du Labo Trafic. Abel Kwame, joyeux anniversaire à toi. Happy birthday to you. Voilà, photo, mannequin. On fait comment? Il va rajouter nos éléments, on a oublié de le blaguer. C'est Labo Trafic qui a gâté sa carrière de mannequin. Il est dédié. Voilà, allez. On poursuit avec la vidéo du jour. Maintenant, vous savez, au lendemain donc de la Saint-Valentin, très chers amis, beaucoup de choses se sont passées, mais on ne pouvait pas aussi rester comme ça et ne pas aussi vous faire revivre encore cette fête-là. Voilà pourquoi on va vous balancer encore une vidéo de la Saint-Valentin. C'est une chanson avec deux grosses stars. C'est un duo. Imaginez un peu Céline Dion et puis Garou chez les Blancs là-bas. Nous, on a pour nous aussi ici. Regardez. Je rends fou comme ça. Non, je ne suis pas fou. C'est l'amour qui m'a rendu comme ça. Dis-moi si tu es folle, toi aussi. Je ne suis pas folle, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça, yeah. I will love to be with you together. I will love to be with you together. I will love to be with you together. Oh, baby, I will love to be with you together. I will love to be with you together. C'est moi. Si moi j'étais vous là, y'allait pas applaudir ça là. C'est bien, c'est l'amour. Yélio, attends. Fais quelque chose. Enlève, débranche ça là. Débranche ce câble et voir. Non, c'est quoi? C'est là-bas. Mais débranche pour toi et voir d'abord un coup. Ah, c'est ça. Faut laisser d'abord. Laisse d'abord. Mais aujourd'hui, il est venu en retard. Donc du coup, moi ma bouche. Attends, c'est ici là. Ici là. On fait en même temps le son. Quand il fait rentrer, vous faites track. 1, 2, 3. Hey! On vous dit acheter les bons caps, vous êtes là, entre les trucs. Les caps, tu achètes à Logualé là. Faut plus bouger. Faut plus bouger. Joue. Augmente ton niveau. Est-ce que ça fait quoi, hein? C'est bon. Joue avec le souris. Voilà, c'est bon. Allons, pépite. Yep, pépite 1, voilà, pépite 1, c'est ce qu'on a baptisé, c'est pas faux. Salut mon frère, je suis hospitalisé. Oh, s'il te plaît, prête-moi 50 000 francs. Je te remets quand je sors de l'hôpital. Son ami dit, mais idiot. Et si tu meurs? Ah. Question, et si tu meurs? Si tu meurs là, moi je vais perdre. Ah. Toi, tu es là, mort. Et puis, c'est moi qui ai perdu maintenant. Le crédit ne se pose même pas, avançons. Avançons, c'est mieux. Pépite 2, c'est mieux. Photo de ma gauche, je viens de voir dans le statut d'un garçon là. J'espère que c'est pour annoncer son décès d'un. En tout cas. Ah. Ma gauche, tu m'as fait dépenser. Je suis J'ai pris deux Wotrotigi. Garde Nounous comme ça. Nounous, ça commence ici, ça va là-bas. J'ai pris deux Wotrotigi. J'ai mis le Nounous dans la Wotro là. Pour venir vers toi. Tu n'étais pas là. Et puis, on voit ta photo maintenant dans statut de garçon. J'espère que non. C'est pour dire que non. Tu n'es plus ici. Hein.
On va se laisser. Pépite 3, attention. Pépite 3. Tout beau ivoirien doit être moisi actuellement. Vraiment. Donc à l'air là, si tu vois un gars qui achète cadeau de Saint-Valentin, signale-le à la police. Pourquoi? C'est un revendeur de tickets. Oh. C'est un revendeur. Où lui a trouvé l'argent? Moi, je savais même, c'est un vendeur de tickets. Revendeur, vendeur, revendeur, il n'a pas vendu. Il a pris l'argent là pour aller acheter cadeau. Respectez-nous, hein. Nous tous actuellement, pour la plupart, on est coulés. Hein, ma petite, toi, il y a longtemps même là. Ça dit, toi, tu es versé, même. Elle est papier. Elle a dégringolé. Pépi 4, aïe. Elle envoie un message au gars, elle dit, je t'aime. Hein? Il dit merci. Elle dit, aïe, c'est tout. Elle dit ta main, chien là. Elle dit, ma soeur, faut lui dire merci, faut prendre ça comme ça. Hmm? Elle dit l'amour là, c'est forcé. Jamais. Mais puis 7, faut pas laisser, hein, faut même pas laisser. J'ai accompagné un ami pour aller nier une grossesse. Hein? C'est-à-dire l'ami ça dit que c'est pas pour lui. T'as vu ça? Arrivé là-bas, oh, je vois que Goki l'a enceinte là, c'est ma cousine. Wow. Allez là, on est au commissariat. Il va assumer. Yeah. Tu vas reconnaître grossesse là. Espèce. Pépite 6. Ouais. Ils vont bisser rediffusion de finale de Cannes là jusqu'à Nigeria va égaliser. Ah. Ah, c'est bon maintenant. Peut-être ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Soit tu regardes ton cœur coupé même. Après, tu te rappelles que dans ces rediffusions. Quand Osimhen prend le ballon là, tu cries quoi? Hey, attrape-le. Mais on sait jamais aussi. Ah. On sait jamais. Faut pas, ils vont faire ça. Victoria est là. Et puis en même temps, but. Et puis on dit non, on n'est plus champion. Hey. Vous là, arrêtez de porter le maillot de Côte d'Ivoire où il y a deux étoiles là. Arrêtez ça. Hein. Allez dans le futur. Oui, mais mets la main comme ça tout le long de l'émission. Si on te demande, faut pas dire que c'est peut-être en deux étoiles. Faut dire que tu es trop patriote. Voilà. Allez la famille, on va poursuivre maintenant. On enchaîne maintenant avec l'info buzz. L'appel de Yodé et Siro. Ils n'ont pas appelé téléphone, non. Ils ont déployé la caméra et puis ils ont parlé. Ils ne sont pas habitués à lui. L'heure est grave. L'heure est grave. Attends. Donc, Yodé et Siro, ils ont décidé de sonder la révolte. De l'animation, en tout cas dans les stades, durant la CAN 2023, les icônes du Zouglou sont revenues à la charge. Hier, Yodé et Siro ont lancé un appel aux artistes, et puis aussi donc à tout le monde, à tous les artistes de Côte d'Ivoire, à tout le monde, on écoute, regardez. La population de Côte d'Ivoire, ce dimanche 18, pourquoi dimanche? Parce que c'est dimanche que nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Et ce dimanche 18, nous allons mener une action de grâce en disant merci au président de la République pour cette belle CAN. Ce dimanche, tous à la place de la République, pour dire merci aux populations qui ont été unies comme un seul homme, pour dire merci aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce dimanche de 14h à 20h à la place de la République, nous invitons tous les Ivoiriens. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu seras dimanche, mais dimanche, tu dois être à la place de la République pour dire merci à la nation. C'est les artistes de Côte d'Ivoire qui organisent ce grand concert pour dire simplement merci à notre président. Je pense que Yodé et Siro ont été entendus et on sera nombreux à la place de la République là pour célébrer donc notre pays comme il se doit. Vive la Côte d'Ivoire. Le 11 type. Allez, on connaît maintenant donc le 11 type de cette CAN 2023 là, publié donc par la CAF. Bien entendu, la Côte d'Ivoire a une place de choix dans cette équipe-là avec trois joueurs et le coach Faye Mers. Donc, voilà. Donc on a Williams au but, le Sud-Africain, 1-4-3-3 avec derrière les Nigériens Trost, Ekong et Aina, je ne sais pas quoi. Ola, Aina. Aina. Voilà. Donc, aux côtés donc, du Congolais Chancel Mbemba, justice dédiée, il y en a. C'était évident. Au niveau donc on a au milieu donc on a l'Ivoirien Jean-Michel Seri, Franck Essier et le Sud-Africain Thébo Mokoena.
sur le front de l'attaque, on retrouve le Congolais Wissa, le Nigérian Lookman et l'Équato-Guinéen Emilio Nsue. Donc bravo à tous et merci en tout cas pour toutes ces émotions-là. Bravo. Allez, Life TV célèbre la Saint-Valentin, encore l'amour donc cette année, l'occasion donc de la Saint-Valentin. Vous avez envie de déclarer votre amour à votre chérie, c'est simple, faites-le dans une vidéo de moins d'une minute. Voilà, j'ai dit bien, pas plus d'une minute, moins d'une minute. Donc, ça peut être 30 secondes, 40 secondes, peu importe, mais il ne faut pas ça dépasser une minute. Voilà, vous envoyez ensuite votre vidéo par WhatsApp au 07 02 81 41 12. Voilà, 07 02 81 41 12. Voilà, et puis certainement, elle passera sur les antennes de Live TV. Votre déclaration sera à la télé. Et voilà, tout le monde saura enfin qui vous aimez et que vous aimez vraiment la personne que vous avez, pour laquelle vous avez déclaré votre flamme. Envoyez vos vidéos et déclarez surtout donc votre amour durant tout le mois de février. Allez, aujourd'hui, c'est jeudi. C'est cela. Et aujourd'hui, donc, on a décidé de voir ce que vous mangez, surtout au lendemain de la Saint-Valentin. L'amour donne des ailes, ça c'est clair. Et nous sommes prêts à tout pour plaire à l'être aimé. Fabrice Ndé était aux côtés donc, de Wilfried Kofi, qui a décidé de cuisiner aujourd'hui pour sa chérie. Tu dois faire ça aussi, champion. Moi, Péli. Si tu as mangé mon guaguassou, tu vas toujours pleurer. Tu dis ça. Et puis c'est guaguassou, son mari, non. Tu sais faire une seule sauce, quoi. Non, il y a des sauces que tu maîtrises. Et puis il y a des sauces que tu fais classiquement. Ouais. Mais il y a des sauces qui sont tes favorites. Toi, c'est ton guaguassou qui ne connaît pas. Ah. Moi, je préfère maîtriser mon guaguassou que toi, même bouillir l'eau, tu ne peux pas. Moi, Willy. Allez, tu vois quoi, c'est midi, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, pour la Saint-Valentin, je vais me rendre chez le coup Kofi, où monsieur a décidé de faire la cuisine pour madame. Un acte vraiment romantique auquel on aura l'occasion d'assister. Allez, venez. Bonjour. Bonjour, monsieur Kofi. Comment ça va? Oh, très bien. Super. Il y a des ballons de cœur au sol, mais c'est intéressant tout ça. Oui, c'est la Saint-Valentin. Hein. Donc là, je suis avec mon épouse. D'accord. La sublime bonjour, madame Kofi. Attends, je fais trois bisous. Mouah. 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 Comment ça va? Ça va. Et chez vous, ça va? Ça va bien, merci. Oui, merci. Et la Saint-Valentin? Ouais, c'est ça, ça se passe bien. On est déjà dans le thème. Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, M. Kofi a décidé de faire la cuisine pour son épouse. M. Kofi, c'est un acte assez romantique, on va dire. C'est le béaba d'être complémentaire à son épouse ou à son époux. Et il a l'habitude de faire la cuisine? Oui, très souvent. D'accord. Mmh. Et comment est-ce que c'est? Mmh. Ah, bon. Ah ouais. On aura l'occasion de vérifier tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Du poisson au fou. Accompagné de des pommes de terre sautées. Pour faire notre recette du jour, on aura besoin d'un poireau, des carottes, de la tomate fraîche, persil, des feuilles d'oignon, du citron, surtout le poisson. On va commencer par découper les ingrédients qui sont là, les légumes. D'accord. Parce que c'est le soubassement. Je vais m'occuper maintenant du poisson. C'est très beau en plus. Très beau, très coloré. C'est la Saint-Valentin. C'est ça. Ça va passer au fond. D'accord. Pendant combien de temps? Pendant environ 30 minutes. D'accord. De 5 à 30 minutes. Le repas bon, mais pour la note, je lui donnerai un 8 sur 10. D'accord. Parce que c'est pas, le poisson n'est pas épicé comme je veux. Mmh. Mmh. Il manque un peu de sel. J'aime bien quand il prépare pour moi parce que ces petites attentions-là, ça démontre l'amour qu'il a pour moi. Voilà. Donc à chaque fois qu'il rentre en cuisine, je suis satisfaite et je mange avec amour. Moi, je pense que ce plat-là, il est vraiment rempli d'amour. Et l'amour qui est à l'intérieur fait qu'il est très savoureux, très onctueux. On vous invite à mettre beaucoup d'amour dans ce que vous préparez pour toujours faire plaisir à l'autre. Allez.
bravo. Mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites pour faire plaisir à l'être aimé. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, on a des invités. On a Stanley Eno du Cameroun et puis aussi on aura Pancho, qui n'est plus le gâteur, mais qui désormais maintenant est la sagesse. À tout à l'heure. Hop, on arrive tous sur le plateau de Touba. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Vous nous suivez sur Live TV 6, du bouquet canal 6 de la TNT. J'aimerais s'il vous plaît qu'on puisse applaudir très fort pour mes valeureux et mes amis de tous les jours. Donc le plus petit, voilà, mais vieux dans l'âge. Voilà. Et, immensement talentueux. Voilà, Marco Denon, voilà, ex-DJ de Feu DJ Arafat. Donc il a l'esprit chinois en lui. Merci infiniment petit. Mais quand tu marches le chinois, c'est pas palable, c'est doucement. Doucement, hein, classe. Voilà. Et tout juste à côté, donc, on a le grand frère donc, de Manager Confirmé. C'est le seul qui a bloqué la plume, la seule plume qui restait et qui manquait à Manager Confirmé. Lui, c'est Willy l'araignée. Voilà, Willy l'araignée. Allez! Avant de retrouver donc mon premier invité, on a des amis qui sont magnifiquement habillés, qui vont me rejoindre. Venez les amis, venez s'il vous plaît. Venez. On va les applaudir s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Vous allez vous présenter. À tour de rôle, c'est... D'accord, je suis Abdoulaye Bar, secrétaire général national de l'Association des élèves étudiants guinéens en Côte d'Ivoire, PCO de la 3e édition de la Journée culturelle guinéenne, organisée par cette organisation. Ouais, il a bossé même. Bonjour, moi c'est Diallo Abdoulaye, secrétaire d'organisation à la mobilisation de l'Association des élèves étudiants guinéens en Côte d'Ivoire. Très bien, waouh. Bonjour, moi c'est Barry Safiatou Bailo, membre de l'AJCI. D'accord, quelle association donc des étudiants élèves guinéens en Côte d'Ivoire? Très bien. Bonjour, moi c'est Babilo, membre de l'association. Très bien. Donc ce sont des admirateurs. Ils sont passés ici aussi et en même temps, ils ont une activité. Donc ce dimanche-là, c'est cela? Oui, oui. Dimanche ou samedi? C'est dimanche 18 février 2024. Il s'agit de la 3e édition de la journée culturelle que nous organisons à l'Amphi Art du district à l'Université Félix Houphouët-Boigny afin de célébrer et de valoriser la culture guinéenne. Très bien. Alors, il y aura quoi au programme? Au programme, il y aura une conférence sur un thème d'actualité qui est la jeunesse face au défi de la perte d'identité culturelle. Super. Et une exposition d'œuvres d'art guinéen, aussi des défilés en tenue traditionnelle guinéen, un sketch, et le tout sera accompagné de la présentation des associations guinéennes vivant ici en Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. Je pense que c'est à saluer. On va encore applaudir très fort. C'est très bien organisé, justement. Et hormis cette manifestation-là, comment ça se passe généralement, au fait, quand il y a un étudiant ou un élève qui a un souci, c'est quoi, il y a des cotisations, comment ça se passe au niveau... Oui, il faut dire que l'AEGCI existe sur le territoire ivoirien depuis 2007, officiellement. D'accord. Donc, nous sommes reconnus par les autorités ivoiriennes. Et tu es président depuis 2007? Non. Je suis le secrétaire général depuis 2022. Depuis 2022, très bien. Voilà. Donc Chaque deuxième dimanche du mois, nous tenons nos réunions qu'on appelle généralement AG, Assemblée Générale, où on discute de l'actualité de la structure. On fait aussi des situations pour en quelque sorte collecter les fonds pour aider ceux qui sont dans les besoins, mais aussi pour aider dans le fonctionnement de la structure. Très bien, ça marche. En tout cas, c'est bien organisé. Nous, on va rappeler rapidement donc, le programme de ce dimanche. Là, c'est dimanche à partir de quelle heure? Dimanche à partir de midi, vous pouvez nous rejoindre à l'Amphi Art du district à l'Université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Donc, c'est tous les étudiants, même les sympathisants, même ceux qui ne sont pas forcément aussi guinéens. Nous attendons l'ensemble des personnes vivant en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, que tu sois guinéen ou pas, tu es invité. D'accord. Tu es invité. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone, il faut rapidement le prendre. C'est le 01 2 fois 06 55 17. Donc, je reprends 01 2 fois 06 55 17. Très bien, ça marche. On va les applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Merci infiniment d'être passé. Allez vous rasseoir. Merci. Allez, la famille, celui qu'on va accueillir donc vient de ce magnifique pays-là, donc qui est le Cameroun, le Kontinang. C'est un beau. Et nous aussi, c'est la belle famille, forcément. Il était ici, donc, je crois, à la première ou deuxième saison de WAM. Et toutes les fois où il passe sur ce plateau-là, franchement, c'est un pur bonheur qu'on passe avec lui. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ovationner comme il se doit, Mister Stanley Eno. Wouh! Stanley, enfin! À quoi va bien du Stanley? Waouh. Merci, ça va, ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci Stanley. Merci d'être là. Merci. On fait du bruit pour Stanley, non? Wouh! Yep.
Akwa Bastané. Merci infiniment d'être là. Un père. Yes, le King Kong. Yes, sir. C'est yeah. Le bonjour, fils de Bamenda. Comment allez-vous? J'espère bien. Et on fait du bruit encore pour Stané. Stané, ça fait vraiment plaisir de te retrouver sur ce plateau-là. On va dire, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas revu. Ouais, ça va faire deux ans, peut-être deux ans et demi. Deux ans et demi, oui. Ouais, mais je pense que ça fait plaisir d'être revenu. Ouais. Et je pense que revenir à un moment où il y a vraiment de grandes choses qui se passent, j'ai vu cette belle CAN, l'une des plus belles de l'histoire. Mmh. Et je suis venu, je pense, deux jours avant la finale. Et de voir la Côte d'Ivoire gagner, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose de grand. Et je pense que ça a une symbolique spirituelle pour moi. Et moi, je suis venu à la base pour mon anniversaire, et, parce que je suis né un 8 février. Ouais. J'ai décidé de changer d'endroit où je devais... faire la fête. Je suis allé à Grand Bassam, j'ai passé un bon moment avec des enfants à l'orphelinat là-bas, c'était bien. Donc je pense que la Côte d'Ivoire appelle mon cœur. Ouais, franchement, ton cœur aussi, une partie de ton cœur est ici, c'est tellement bien, c'est tellement beau ce qu'il vient de dire. Hein. Alors, on va regarder donc une compile de toi, parce que après ton dernier passage ici, on était parti donc de un père jusqu'à ce qui constituait ton actu. Ouais. Mais après, il y a eu aussi une autre actu qui est venue s'ajouter. Oui, il y a beaucoup de trucs. Moi, je suis vraiment content. On a pas mal de gros hits en ce moment. Il y a Tekova qui est en train de ravager l'Afrique centrale. Sûrement avec la force des choses. Ici, ce sera une autre étape. Donc, One Love, on est content. One Love, ici. Allez, justement, on va redécouvrir ou découvrir encore ce qui sait le mieux le faire. Bien sûr, donc, c'est chanter, produire de très belles œuvres pour nous qui traversent donc toutes les générations. Yeah, Stan Leno est dans la place. Compile. Let's fucking go. Yeah. Nous, on est au quad. On est hyper, hyper. Et comme mes gars du mot pour on y est fait. Yes, 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 c'est pour mes frères. Ma papa been a soldier. Mommy been a Presbyterian church elder. Me tell me for my dang. I beg no bring me down grimba. Mommy was down on your waist. Joba la c'est don Shiba. Et chilling au petit pays. En mode free. Sur le pied de Yagami. Le bon est oui. Là, on est parti de l'Imper. Gros carton, gros succès. C'est ce qui t'a propulsé véritablement, Griff, on va le dire, sur la scène internationale. Oui, en 2013, c'était vraiment un gros sacre. C'était vraiment quelque chose de... je pense que c'était un gros moment pour le hip-hop en Afrique. C'est cette chanson qui m'a donné mon MTV African Music Awards. On applaudit encore pour ça, s'il vous plaît. Et à l'époque, avoir un MTV Awards... C'est pas donné à n'importe qui. Tu l'as sur toi, sur le reste de ta carrière. Chapeau bas encore. Merci beaucoup. Yeah. Merci, merci. C'est vrai que je dors pas sur mes lauriers. Si, si. Parce que pour moi, je pense que malgré tout ça, le plus grand award que je peux avoir, c'est le peuple, c'est le public. Et je pense qu'ils sont magnifiques. Wow. Ah, c'est fort. Ça, c'est fort. Poporopo, c'est ça. Poporopo. Je savais, je voulais t'arracher ce sourire-là. C'est pa-para-pa-para-pa-pa-pa. Bref, j'ai un problème avec la prononciation. Non, c'est para-pari-paro. Voilà. Mais c'est sorti il y a deux ans. Deux ans, effectivement, mais c'était un gros carton aussi. Ah ouais, c'était un gros... Mais en ce moment, je pense que dans... T'inquiète, ça va venir. Don't worry. Ok, donc... il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées après. Para-pari-paro, j'ai eu la chance de faire ça avec... le beatmaker américain qu'on appelle Scott Storch, celui qui a fait Make It Rain, qui a fait Crazy in Love de Beyoncé, qui a fait Cry Me a River de Justin Timberlake. Parce qu'en ce moment, je vis à Los Angeles, donc je suis entre le Cameroun, Los Angeles et Londres aussi, un peu parce que c'est la maison de l'Afrobeat. Mm-hmm. Donc, travaillant sur mon prochain album qui s'appelle The African Gentleman, parce que je chante passer du King Kong à l'African Gentleman. C'est tout un concept, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui pense pour son peuple, c'est quelqu'un qui veut ramener l'Afrique à un autre niveau, qui veut être là à l'écoute et qui veut être un ambassadeur de sa culture dans le monde. Dans le monde entier. Donc je veux dire que
Je dis merci aux équipes qui se battent tous les jours avec moi. Et il y a trop de belles choses, frère. Donc on peut pas s'arrêter. Si. On va dombotiser ça, tu vois. C'est bien. Allez, il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas s'empêcher encore de remettre encore quelques éléments de ce que tu nous sers toujours. On y va. C'est celui dont la source d'inspiration ne t'arrivera jamais. Stanley Lowe qui Let's est avec go. Nous. Let's go. On regarde encore. African gentlemen are the day go up. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means they're not the last of them. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the day go up. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means they're not the last of them. For chest like na amigos, best in the game like the Beatles. Sparking your face like na angel. Gala kuta brain out da video. Wind my waist like Falipu. Slam your brain like Pascal. On fait le bruit pour l'homme qu'on appelle Stanley Lowe. Hey Stanley, avant bien sûr, donc on a tellement attendu le clip de ce gros banger là. Ouais. Et ça avait tellement tourné, c'était la folie donc sur TikTok, ouais. Sur les réseaux sociaux, ouais. Véritable trend, ouais. Sur les réseaux sociaux. C'est quoi partie l'inspiration de cette de Tekoga? Non, c'est moi je l'ai écrit à LA en plein périph. Ouais. Et je me suis dit ok, Tekoga le message. Quand je dis African gentleman, I did Tekoga. Yeah. En fait c'est pour éveiller les consciences des Africains. Ouais. On leur dit que c'est le moment pour nous de se mettre en avant. C'est le moment pour nous de ne plus s'entretuer et de montrer cette positivité que nous avons en Afrique. Si, si. Et la CAN nous a confirmé ça. C'est-à-dire que Dieu a mis la main sur la Côte d'Ivoire et Dieu a dit, OK, organisez cet événement, remportez cet événement. Ouais. Et je veux dire que la symbolique de cette hospitalité, c'est tellement fort. Donc je pense que je félicite déjà la Côte d'Ivoire, ouais. L'Afrique, parce que nous sommes au centre du monde. Mm-hmm. Et c'est le moment, plus que jamais, de faire un impact. C'est cela. Sinon, si on ne profite pas bien de cette occasion, je pense qu'on va tout perdre. Donc, ouais. c'est un peu ça le message derrière Tekoga. L'Afrique, c'est maintenant, et maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. C'est tellement bien dit. En tout cas, ce sont les valeurs donc, que tu es en train de promouvoir depuis toutes ces années-là. Justement, le King Kong. Qui bientôt devient l'African Gentleman. L'African Gentleman. Et je pense, sauf si je ne m'abuse, que tu l'es depuis belle lurette, parce que c'est clair que tu es un véritable entertainer, mais au-delà de ça, tu arrives quand même donc à divulguer de très très beaux messages. Merci. Et on est fiers de toi. Non, merci. Force faut, à toi. Faut rester positif. Yeah, toujours. Faut rester positif parce que moi je suis un ambassadeur UNICEF, donc moi j'essaye de mettre toujours mon talent au profit des autres. C'est-à-dire que pour moi, si tu ne peux pas utiliser ton étoile pour être une étoile pour les autres, c'est que tu ne sers à rien. Ouais. Tu serais vraiment à rien. Et il faut aussi aujourd'hui donc, que tu nous fasses bénéficier donc, de cette aura-là. Let's et on va te demander de nous offrir ici une prestation. Pourquoi pas? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Tiens, on va. Salut, vous, s'il vous plaît. Pour l'excellentissime Stanley Lowe. Wouhou! Stalliana. One man army on a journey. From Bafusam to New York City. From Bafusam to New York City. City star life, you know, easy. It ain't easy, right? When pop broke, now you're banging, now you're all you. Baby, don't follow. African gentlemen, now the day go up. Walk up for my people, yeah, bro, they come. Even if it means now the last of jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen, now the day go up. Walk up for my people, yeah, bro, they come. Even if it means now the last of for chest like na amigos. Twerk. Best in the game like the Beatles. Sparking your face like na angel. Gala kuta brain out da video. Obio. Wind my waist like Falipu. Slam
on your brain like Pascal Siakam. Smoke my enemies like shisha. My ego big like a bank account. African gentlemen had to take over. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means we're not the last offer. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen had to take over. Walk up for my people, yeah, I protect them. Even if it means we're not the last offer. Everybody let's go. Hey, I must go get loan cap money for my hustle. Yeah, yeah. If I know get. For my people, yeah, I protect them. Even if you're missing out, they love so much. Jump from the plate like a grasshopper. Hey, I must go get money for my hustle. If I don't get enough, I go on till I get. Call them my money, oh. Money, 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 money. Yeah. Bring the girls on my table, oh. Bring the girls on the drinks, on the drinks, on the bingo. Just tell me, yeah, no, they're for you, oh. King Kong, number one, number one, number one, number one. King Kong, they're there for you, oh, oh. Generational something, oh, yeah, 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 yeah. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Stanley Hainé. T'es comment? Hey, Stanley. Tu sais? Mr. Wheelie, yeah. Mr. Wheelie, Mr. Wheelie, let's go, break it down for me, yeah, one man army on a journey, yeah, from Bafusam to New York City, yo, see the star life ain't no easy, when Padon broke, Naya Banga, Naya Oye, African gentlemen had to take over. Walking for my people, yeah, protect them. Even if it means in the last supper. Jump on the plate like a grasshopper. African gentlemen had to take over. Walking for my people, yeah, protect them. Even if it means in the last supper. Oh, yeah. Me, I must still get money for my hustle. If I don't get enough, I go what till I get me. Get your money for my hustle. If I don't get enough, I go work till I get. Say whoa, 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 whoa. Say yeah, 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 yeah. Say ooh, yeah, ooh, yeah. Say ooh, yeah, yeah. Ooh, everybody yeah. Say yo, 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 yeah, yeah, yo. Say brrr, brrr. Say why. Still get money for my hustle. If I don't get enough, I go work till I get. Me, 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 I must still get money for my hustle. If I don't get enough, I go work till I get. African gentlemen had to take over. Enfin, le bruit sur Black Ousmane. Yeah! Big respect! Big respect! Merci énormément, Willy. Merci big respect! Beaucoup. Est-ce qu'il y a un album en vue? Ouais, on est en train de terminer le projet African Gentleman, le yeah. P1 et le P2. Yeah. Et comme je suis en train de célébrer également mes 10 années de carrière, si, si. On est en train de travailler sur un stade, donc ça va être quelque chose de magique, Inch'Allah. Wow. Donc l'année sera belle et je vais également, j'ai une date au Ghana, j'ai une date au Japon, sur la première, troisième période, la première période de l'année. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. De belles choses en tout cas. Et en même temps, on mange la loco tranquille. On viendra certainement te soutenir donc, dans ce stade-là. Avec plaisir. Inch'Allah, merci forcément. Beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, du pour le King Kong de la musique africaine. African gentleman, lui, c'est Stan Hainé. On marque une pause, à tout à l'heure. Hop, on est de retour sur le plateau jouable. Allez, on poursuit toujours donc notre périple. Cette fois-ci, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez, tandis que ses potes, en ce moment, sont dans une, on n'aura pas appelé ça une guéguerre, mais font le buzz en ce moment. Ben, lui, il a décidé de poursuivre tranquillement ses activités, mais il ne pouvait pas rester en marge donc, de tout ce qui se passait là, parce qu'il a été à maintes reprises ici cité. On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Pancho, qui était le gâteur, mais désormais, Pancho, la sagesse. Pancho, à quoi va? Merci infiniment d'être là, Pancho. Pancho, merci infiniment. On se rassoit, s'il vous plaît. Brrr. Bonjour, Pancho, bienvenue chez toi. Ouais, salut. Comment bonjour, ça va? Ouais, bonjour à tous. Yeah. Pancho,
Alors, Pancho, déjà, c'est plus le gâteur, mais c'est plutôt maintenant Pancho, la sagesse. C'est ça? Bien sûr. D'accord. Alors, mais pourquoi ce changement-là, drastique? Bon, en fait, je pense que l'homme a besoin de changer. Ouais. C'est quand tu viens dans un milieu pour te faire connaître que tu es déjà une personne internationale, il faut maintenant faire la sympathique de la sagesse pour être encore plus intègre, tu vois. D'accord. C'est important ou pas? Ben, dis donc. D'accord. Alors, Pancho, on va rentrer directement, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, qu'est-ce que Pancho fait en ce moment? On te voit de moins en moins, on sait qu'il y a eu le mariage, entre griffes et autres. Pancho, est-ce qu'il continue toujours à tourner dans des séries, dans des films? Bon, je suis devenu un formateur. D'accord. Voilà, je donne aussi la chance et la grâce à d'autres personnes aussi qui veulent me ressembler, comme de la façon dont toi tu fais aussi avec les enfants vraiment qui veulent te ressembler. Donc il faut donner la chance à tout le monde. Actuellement, là où Dieu m'a positionné, je ne suis pas en concurrence ni chercher des vues sur Internet. Voilà, je veux aussi montrer aussi à la population qui m'aime de ressembler aussi comme le père Gohou, parce qu'à un moment donné dans le travail, il faut maintenant faire la sympathique de la sagesse pour ne pas qu'on se mélange, tu vois. On ne se mélange pas, mais on se donne des conseils pour pouvoir avancer. Parce que chaque personne sur la terre veut ressembler à quelqu'un. À quelqu'un, qui est intègre, n'est-ce pas ou pas? Très bien, ça marche. Allez, pour revenir donc sur le sujet, on le sait tous, hein, tes amis, tes frères, on a parlé donc de Père Daloa, et puis donc de Apuchou National, sont depuis un moment donc l'objet donc d'un gros buzz. Enfin, l'objet d'un gros buzz, c'est devenu le chou gras donc de presque toutes les pages Internet. On ne savait pas que de cette photo-là, après, il y allait avoir une rupture en griffe. On espère qu'elle est momentanée. On va regarder donc une vidéo, celle du Père Daloa, puisque c'est lui qui est venu ici sur le plateau et qui a fait une déclaration. On regarde. Ouli, c'est pas la même chose, c'est qu'il a fait pour le roi devant mon entier, avec les injures, avec les humiliations, avec tout ce qu'ils ont mis sur moi. Toi, Ouli, tu étais au courant de tout. Au pire, on est là, ça n'avance pas. Et moi, je me redis. Est-ce que tu regrettes d'avoir rampé? Très mal, très mal, très mal. Je regrette, je demande pardon à tous les Ivoiriens. Très, très mal. Ouli, faut pas le faire pleurer. Non, calme-toi. Voilà. Calme-toi. Je regrette pourquoi il rampait devant le roi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais tu promets de ne plus jamais ramper devant quelqu'un? Non, non. Tu l'avais déjà fait ici, une fois sous l'arbre à Palave, mais tu allais ramper encore? Non, non, je n'ai pas rampé. Je dis, je rampe pour Kola Tchoukari. Okay. Voilà, parce que ce qu'il fait pour moi, moi, je sais. Alors, voilà, il a dit, il était pratiquement au bord des larmes. Tu as vu cette vidéo ou pas? J'ai vu la vidéo. D'accord. Et moi, j'ai un peu plus mal parce que... quand le roi, c'est pas le roi qui a fait la sympathique avec lui, c'est lui qui a décidé de connaître le roi. D'accord, okay. C'est pas le roi. Et donc quand le roi ouvre son ministère et puis tu rentres dedans, il y a un minimum de respect à sa personne parce que c'est un homme d'affaires. Ok. Au niveau où le roi est arrivé là, il n'est pas obligé de nous appeler parce que son argent est trop. Est-ce que tu vois? D'accord. Il faut respecter un homme d'affaires parce que tu sais pas avec qui il traite. Si je t'ai promis quelque chose, c'est toi et moi dans la chambre. Ah, tu ne viens pas chambre. M'exposer. D'accord. Est-ce que tu comprends? Dans la chambre, c'est un exemple que tu donnes. Ouais, c'est un exemple. Si elle t'a promis quelque chose, c'est toi et moi. C'est cela. Si tu as un mécontentement contre moi, tu rentres en Nick Boss, même s'il ne répond pas à tes messages, un jour, je vais répondre. D'accord. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi on doit faire la sympathique de la sagesse. Ce n'est pas qui lui a donné ce genre de conseil. C'est quoi la sympathique de la sagesse? La sympathique de la sagesse, c'est pour te dire que non, que chaque homme qui veut être intègre sur la terre ici, à un conseiller. D'accord. Pour ne pas qu'il fasse des erreurs envers des gens, peut-être qu'ils te respectent. Et selon toi, qui aurait dû être le conseiller donc de Daloa Inter? Bon, je veux dire que le père Daloa, c'est vrai, même s'il n'est pas allé à l'école, Dieu l'a fait la grâce de connaître les gens qui sont quand même allés à l'école, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Ou bien, tu pouvais quand même aviser les gens avant de venir faire ce que tu es en train de faire. D'accord. C'est vrai, ils vont t'encourager. Mais tu ne connais pas où le travail peut t'amener. Très bien. Le travail qui va t'amener peut-être dans un pays où tu dénigres là. C'est-à-dire que tu es face à la réalité de tes actes que tu as posés vis-à-vis de ta personne. Voilà pourquoi parfois on nous parle de réconciliation. Parce qu'on connaît pour aujourd'hui, ou à l'aide, on ne connaît pas pour demain. Comme pour demain, tu ne connais pas là. Il faut savoir faire les choses pour ne pas que demain, quelque chose te rattrape. Très bien.
Ça marche. On a une vidéo aussi de Apuchou. Lui, par contre, il n'était pas sur ce plateau là. D'abord, quand il a fait son premier direct, il était dans une voiture. Il a dit qu'il venait de traverser à peine le pont. Donc, il a payé ses 500 francs pour, avant de faire la vidéo. On regarde. Le roi Doudou, ce n'est pas nos papas. Le roi Doudou, ce n'est pas nos papas. Ce n'est ni nos frères. On ne vient pas de la même famille. Mais le gars, là, il a pris de son argent pour nous donner. Et puis, on a mangé son argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas mélangé le roi Doudou. Le roi Doudou a pris une voiture pour donner à Poncho le gâteau. Et le gars, humble qu'il est, il ne s'est jamais mis au-dessus de nous. Il nous a toujours respectés et considérés. Frère, il a ses problèmes. La reconnaissance est la clé du succès. Vieux, même si tu n'es pas allé loin à l'école, fallait réfléchir avant de sortir pour faire un direct pareil. Parce que les gens vont te traiter de malhonnête et d'ingrat. Si toi aujourd'hui tu parles mal du roi 12-12, pour dire que le roi 12-12 n'a rien fait pour toi, il ne t'a pas aidé. Le père d'Awa, c'est que c'est la méchanceté. D'accord. Alors, Pancho, là il a dit quelque chose et j'ai aimé une phrase dedans. On t'aurait acheté, offert donc une voiture. Vrai ou faux? Willy, ouais. Je vais te dire quelque chose. Hein. Le roi 12-12 que vous parlez de lui là, n'a jamais donné quelque chose et puis appelé les médias pour qu'on fume. D'accord, mais aujourd'hui, tu vois, tu peux nous confirmer si... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais. Voilà. La voiture que le roi 12-12 a achetée là, il n'a pas appelé caméra pour venir faire publicité de ça. Juste pour te dire que non, que le gars, quand il te fait un geste, c'est toi et moi. D'accord. Mais donc, on n'expose pas ce que quelqu'un a fait pour toi lorsque les gens n'étaient pas là. Mais Apuchou l'a fait au fait. Et oui, Apuchou, bon, Apuchou l'a fait juste pour parler de la reconnaissance ouais. du père. Mais tu reconnais aujourd'hui au moins bien la sûr. Voiture, si, si. Je tu reconnais. L'as toujours. Non, bon, toi tu connais Willy. Quand on avance, on n'a qu'à avancer. D'accord. Voilà. Mais moi, je suis en train de dire aujourd'hui ici, ouais. j'ai un peu mal parce que même quand tu veux te séparer avec quelqu'un, pardon, il faut regarder un peu la distance que vous avez parcourue. Ouais. Son agent a fait quelque chose aussi dans ton parcours. Son agent qui t'a donné là a permis que tu manges avec ta famille. Pour ça, il faut être reconnaissant. D'accord. Et là, tu t'adresses à qui exactement? Je m'adresse au père d'Aloa. D'accord. Le père d'Aloa, tu n'as pas le droit de le faire. Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce qu'il t'a eu au téléphone? Lui, quand il sortait pour aller faire cette vidéo, est-ce que lui m'a appelé? Donc, du coup, on considère que vous ne vous êtes pas appelé. Est-ce que tu vois, moi, je connais le roi 12-12 depuis 2017. Ouais. Tu étais l'une des premières personnes d'ailleurs qu'on voyait sauter dans C'est moi qui ai créé le mouvement et puis tout ça là, tu vois ça là. C'est quoi le nom du mouvement? Le mouvement? Toi, hey, doucement, et moi. Le mouvement, on appelle ouais. ça le marketing business avancement. Très bien. Maintenant, non, je vous explique. Ouais. Dans le mouvement, ce sont des opportunités qu'on doit avoir. D'accord. Avoir une personnalité comme le roi 12-12, toi-même étant un artiste, ça te donne aussi de la valeur. Quand je te dis la vérité. D'accord. C'est un multimilliardaire. Il marche avec toi. Il peut marcher avec ses amis milliardaires. Oh ben. Donc quand on est lui, lui il a besoin de nous, non? Nous aussi on a besoin de lui. Mais vous avez besoin de quoi chez lui, au fait? Moi je sais que, comme tu l'as dit, il a la possibilité de marcher avec ses amis ouais. milliardaires. En tout cas, moi, Pancho. Moi, j'ai besoin de sa personnalité. D'accord. Sa personnalité, pour moi, dans mon développement, peut me rapporter de l'argent sans même sortir de la poche du roi 12-12. Est-ce que c'est une amitié vraie, sincère? Non, moi, pour moi, là, c'est loyal même. D'accord. Et pour les autres, alors? Pour les autres, là, comme le père d'Aloa, là, franchement, il ne savait pas que ça allait arriver comme ça. OK. Willy, en train de faire une mission, tu ris. Mais demain, si tu as promis quelque chose à quelqu'un et puis tu as fait ça, la personne, là, ce n'est pas qu'il est fort. C'est lui-même qui a gâté sa carrière. Parce que les mêmes babachés qui vont t'apprécier là vont se méfier de toi aussi. Parce que demain, tu peux les positionner quoi. Et tu comprends? Donc, on a qu'à savoir faire les choses. Les morons qui sont entrés et venus commenter que Père Daloa, tu as tué là. Il y a des babachés qui vont t'apprécier. Mais appréciement qu'ils vont faire là, c'est juste pour un temps. Mais ce n'est pas des gens qui vont te porter dans leur cœur. En tant où on est arrivé là, on a besoin de faire des grandes affaires avec des gens qui vont nous considérer. Est-ce que depuis lors, tu as eu l'occasion d'appeler le roi au moins pour... Moi-même, il me demande à quel... C'est dans quoi il est. Le mal qu'il ressent là, il ressent ça. Voilà pourquoi moi, je suis sorti, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est vrai.
Le roi t'a promis quelque chose. Mais est-ce que c'était un contrat? Est-ce que c'était une obligation, en fait? Parce que quand toi, tu venais là, c'est toi dans ton développement, tu as fait ça. Mais qui a fait? Le roi t'a pas dit qu'il faut traîner comme ça pour qu'il va te donner l'argent. Regardez bien la vidéo où il traînait. Le roi même s'est abaissé pour le faire lever. Mmh. Est-ce que tu vois? Ouais. C'est dans son développement. Mais qui c'est qui a fait rentrer donc, dans le business marketing avancement d'Aloa Intérieur à Poutchou? Tous ceux qui sont là, là, c'est moi qui les ai fait rentrer. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Ah, c'est que le gars a fait là, il regrette. Oh bien, Lully, ouais. C'est que le père d'Aloa a fait là, moi il regrette, Wallaï. Est-ce que... Et c'est pas comment les gens vont prendre ça. Ceux qui nous regardent en live là, et c'est pas comment vous allez prendre. Mais pour ceux qui connaissent l'humanité, pour ceux qui connaissent la créature, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle l'amour du prochain, Wallaï, si quelqu'un vient commenter que non, voici un lâche, moi je vais pas faire discours à ces personnes là, parce qu'aujourd'hui là, la sagesse nous amène à être ensemble pour être plus fort. Est-ce que vous comprenez? Et tu as dit quelque chose qui me plaît, être ensemble pour être plus fort. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour que d'Aloa et Apoutchou National se parlent à nouveau? Voilà pourquoi quand je vais quitter ici, je vais appeler mon petit frère Apoutchou. D'abord, au passage, je le salue. Ah, c'est le petit frère? Ouais, c'est un petit frère. Il ne faut pas regarder qu'il est en forme. Ouais. Willy, l'homme qui est assis ici, là, tu connais Janvier qui l'a moyen, non? Je sais. Ma fille aujourd'hui a 22 ans. Waouh, quand même. Voilà. Donc, je vais appeler Apoutchou. Ouais. Je vais appeler le père d'Aloa. Ouais. Il va s'excuser sur la place tournante. La place publique, tu veux dire? Ouais, non, la place tournante, pour moi, c'est une place tournante. Ce n'est plus public. OK. Parce que quand on finit de te mettre sous, là, ça s'en va loin, c'est une tournante. Ce n'est plus public. Ouais. Il va venir demander pardon au roi. Parce que le sur roi. Ce plateau. Le roi n'a pas fait de contraire toi pour que tu viennes l'exposer comme ça. Willy, c'est papa de quelqu'un. Ouais. Il fait des affaires. Tu ne sais pas qui fait des affaires. Wallahi Bila, je sais de quoi il te parle. Est-ce que tu sais qui fait des affaires? Champion, toi, tu as une personnalité, puis on t'expose comme ça sur les réseaux sociaux. C'est que toi-même, là, tu as joué ta vie. Ou bien, c'est ce que d'autres personnes qui ne savent pas vont venir commenter. Attends, le monsieur nous a aimés. On t'a même vu, même assis, même moi, sur les gens m'ont traité de mendiant, dit apporter couche. Et on dit, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais montrez-moi qu'un milliardaire qui peut me donner son amour comme ce monsieur-là. Il ouais. n'y a pas. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, les gens nous apprécient lorsqu'on fait le buzz. Moi, je ne suis pas dans la médiocrité. Mmh. Moi, j'aime les gens qui sont vrais. Mmh. Ou bien, le roi 12-12 depuis 2017, moi aussi, élu. Est-ce que moi, je connais ce qui va se passer dans ma vie? Dans tout ça, où est Arthur de Tunis? Tout cela, moi, les regrouper, ils vont venir. Ce n'est pas un petit mouvement. Hein. Ouais. C'est mon empire, ils ont détruit comme ça. Oui, il ne faut pas rire. Oui, il ne faut pas prendre pour rire. Son agent là, a soutenu. Et c'est pas comment il m'expliquer quoi. Maman, quand tu travailles les moments difficiles et puis quelqu'un sort sur toi et puis te donne l'argent là, hein? Cet argent qu'il t'a donné là, ça fait un changement dans ta maison là-bas. Faut pas oublier ça. Tu n'avais pas fauteuil, non? Et puis quelqu'un te donne 1 million et puis tu perds fauteuil, tu perds télévision. C'est l'argent de quelqu'un. Mais l'argent de quelqu'un là, tu peux pas regarder comme ça, puis tu vas le dénigrer parce qu'il t'a dit que non, il va payer taxi pour toi. Wallah Bilal, si moi il dit que moi ici, il a aimé ça, Wallah Bilal, que lui il est mal. Est-ce que tu étais là quand il y a eu effectivement donc, cette idée de l'achat du taxi pour Willy, tu sais, il y a des choses que moi, je n'ai pas le droit de venir expliquer ici parce que c'est interne. C'est ça. Est-ce que tu vois? Voilà. Il y a des choses que moi, je ne peux pas venir expliquer ici. Sinon, le roi, voilà, il n'y a pas quelque chose qu'il m'a promis et puis il ne m'a pas donné. Mm-hmm. Ça a mis du temps. Mais c'est venu. Mais ça s'est réalisé. Ici. Voilà pourquoi on ne doit pas confondre la rapidité avec l'endurance. Voilà le rôle là qu'elle est. On est beaucoup rapide, mais on n'est pas endurant. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous, les amis, chez les amis du roi, est-ce que dans ce groupe-là, est-ce qu'il y en a un qui est peut-être le responsable du groupe? Si peut-être il y avait un responsable où tout était ordonné, peut-être il n'y aurait pas eu cette. Tu sais, dans le mouvement, il n'y a pas de responsable. OK. Le monsieur-là, il nous considère juste à la même valeur. Tous au même titre, au même niveau. Voilà, il n'y a pas à faire de quelqu'un responsable ici. Ce n'est pas une entreprise. On est là pour l'amour du prochain. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Mais il estime bien Apoutchou, il estime bien le père d'Aloa, il estime bien Arthur de Tunis. Moi, il m'estime. Sinon, il pourrait faire la part des choses pour dire non, bon, comme je connais Pancho depuis 2017, il y a le chuchoté pour voir, il n'est pas dans ça. Mais, plus, mais toi. Oui, excuse-moi, mais toi, par exemple, tu étais là aux premières heures depuis 2017. Mais quand tu vois que c'est Apoutchou
qui fait des directs et que toi, par exemple, qui est là depuis le début, tu n'en fais pas, est-ce que tu as appelé Apucho aussi pour lui dire qu'il est, il allait un peu trop fort, même avec certaines injures, puisque Dalo semble être Le petit frère Apucho, je t'explique. Ouais. Il a appelé, dit petit frère, quand tu sors pour venir faire quelque chose, il faut savoir que c'est le monde qui regarde parce que tu es écouté. Tu devais m'aviser. Mmh. Moi, c'est parce que vous n'allez pas, vous n'allez pas mettre ma vidéo. Moi, je suis sorti en tant qu'un homme qui est sage. Mmh. Apaiser les cœurs, c'est important. Et ça, tu vois, ouais. Nous ne sommes pas en concurrence ici avec un pays différent. Mmh. Et ça, tu vois. La Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en guerre. Parce que quand vous prenez vous tous vos téléphones, regardez dans vos contacts s'il n'y a pas de numéro étranger. Tu peux barrer ça. Est-ce que tu peux barrer ça? Bon, déjà, s'il y avait la possibilité avec le BIC, il y en a, certains que j'allais barrer. Tu ne peux pas barrer. Voilà pourquoi il dit, ton talent n'a rien à voir avec l'amour du prochain. Mm-hmm. Tu peux être fort. Si ce n'est pas un copain de l'amour du prochain, mon frère, donne ton talent. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo, les Ivoiriens n'ont pas aimé. Et tu as dit quoi dans la vidéo? J'ai dit, Siriki Diabaté, tu es une personne que je connais, je ne suis pas le seul qui te connaît en Côte d'Ivoire. Et quand tu sors pour faire une vidéo pour dire que tu es le plus fort parmi les Ivoiriens, c'est que tu n'es pas. Nous, on s'est trop laissé aller. Mmh. Désormais, on doit consommer Ivoirien d'abord. Consommer Ivoirien ne veut pas dire que non, qu'il faut oublier ton frère. Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, il faut toi aussi te considérer. Et ça, c'est pas cool hein, dans tous les voilà pays. Voilà pourquoi on puisse te respecter. Très bien. Et Siriki, comme tu dis que la Côte d'Ivoire est ton deuxième pays, pour apaiser les cœurs, sors pour faire juste une vidéo pour demander pardon. Le pardon est le meilleur contact dans la vie de quelqu'un qui veut être intègre. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il y a pardon. Voilà pourquoi il y a désolé. Voilà pourquoi je m'excuse. Ah, c'est vraiment la sagesse de Portugal. Et les Ivoiriens sont venus. Ouais. Les Ivoiriens sont venus commenter. Voici un lâche ici. Il a demandé aux Ivoiriens, donc vous voulez que moi je sorte pour venir dire quoi? Siriki, ouais, il a insulté. Non, moi je ne suis pas arrivé à ce niveau-là parce que si un jour, demain, me rattrape et que je suis devant Siriki dans un mouvement de travail et que mes vidéos, on me fait sortir ça comme de la façon dont ils sont en train de faire sortir ça à Dalowa là. Je me sens hypocrite, non? Mm. Donc pour éviter ça là, c'est mieux de donner des conseils pour un petit frère peut-être qui a déraillé. Mm-hmm. Parfois souvent on peut être là, on peut avoir l'argent, puis on peut être euphorique. Parce qu'on n'a pas de conseils, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut sans penser même qu'on a blessé quelqu'un. Accident là, c'est pas âme seulement qui tue. Hein. Une parole peut te... Ça peut te donner un AVC ici, hein. Surtout quand la personne qui parle n'a pas bossé. Donc moi, tout ce que moi je peux dire au père d'Aloa, la reconnaissance dans tout grandit, ce qu'on appelle un homme. Et Apucho, qu'est-ce que tu dis? Apucho, en fait, ce que je peux dire à Apucho, je ne l'en veux pas parce que tu sais quand un homme, quelque chose le surprend, ce qui sort là, il n'y a pas frein. Mmh. Tu vois, non? Donc, ce que Apucho a fait là, en tant qu'un grand frère que je suis, ce n'est pas normal de sortir comme ça dans la colère. Tu sais, Willy, il ne faut pas qu'on se permette d'injurer les plus sages. Parce que ça diminue notre bénédiction. Est-ce que tu vois? Et je pense que Apucho n'a pas fait sciemment. Peut-être je me dis que non, que c'est dans ses développements. Vous connaissez Apucho, ce n'est pas quelqu'un qui est... Voilà, mais moi, je n'ai pas pu apprécier parce qu'on arrive maintenant dans un moment de sagesse. Mmh. Là, il y a le carême qui a Christian. Voilà, parce qui a que j'ai appelé le petit frère. Il m'a dit, grand frère, toi, tu connais mes mouvements. Voilà. Mais mouvement là, c'est ça. Sinon, en aucun cas même que moi, je peux injurer le père d'Aloa. Mais j'ai mal tout ce que le père d'Aloa fait. On a tous mal. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de demander pardon au roi. C'est cela. Parce qu'on a qu'à se rappeler hier. Est-ce que tu es prêt déjà, je veux dire, ce plateau-là, t'es dédié aussi en même temps hein, pour, si tu le veux bien, présenter les excuses au nom des deux. En tout cas, merci de m'avoir invité ici. Ouais. Le roi de la nation 12-12. D'abord, merci pour vraiment le geste de ce que tu fais. Pancho, As-tu de Tunis, le père d'Aloa et tout et tout. Vraiment, je sens en toi quelqu'un qui a l'amour de son prochain et raison pour laquelle j'ai mal. Je me mets sur le plateau aussi pour demander pardon à la place de mon grand frère, le père d'Aloa. Un peu de sagesse, un peu d'eau dans notre verre, je pense que ça peut nous grandir. Mm-hmm. Le roi, ce n'est pas quelqu'un qui est compliqué. Wallahi bilahi. Mais il est touché. Là où il est là, il est touché. Et son silence dérange. Est-ce que tu vois? Je suis venu apaiser les cœurs. Je vais prendre tout le monde ici en témoin de demander pardon à une sommité que vous connaissez tous. Mine de rien, c'est quelqu'un qui nous a fait aussi plaisir. La reconnaissance là, devant Dieu, c'est une bénédiction. Je demande pardon. C'est cela.
Au roi 12-12. Et tu prends ici, donc, l'entière responsabilité d'appeler après tes deux frères. C'est ce qui est juste pour un aîné. Si, si. Ouais. Ici. Et si l'un ou l'autre ne te décroche pas? Il va me décrocher. Ouais, très bien. Parce que nous ne sommes pas en concurrence. Si, si. Il va me décrocher. Si. Et puis, on va parler. Ça marche. Si possible, on va faire un direct pour demander pardon au roi. Au roi. J'ai pas accepté que tu n'es plus dans le mouvement. Mais sois tranquillement, n'expose personne. Mmh. Parce qu'on n'a pas signé contrat avec le roi 12-12 pour dire que non, que chaque sortie, on doit nous payer. Le gars, lui, il a un nous, là. Il a un nous par amour. Mmh. Il n'est pas un nous parce que c'est un contrat qui doit nous donner l'argent. Et Dieu merci, toi, il t'a promis quelque chose. Mais sois un peu patient. Voilà pourquoi il dit que souvent, quand on dit paye, puis les gens qui arrivent devant, c'est eux qui cherchent l'eau à boire. C'est lui qui coupe doucement. Là. Il a le temps d'expliquer son histoire. Mmh. Est-ce que tu comprends? Yes, man, ouais. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Pacho le gratteur. Pacho, merci infiniment d'être passé sur le plateau de WAM. On va l'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Et moi, je vais rajouter que Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a pas de palabre, voilà. Il faut qu'on sorte donc des débats passionnés. Ça, c'est une affaire dans ce qu'il appelle la nation 12-12 entre des frères. Ça va très vite se régler. Nous, on va vous dire au revoir et se retrouver donc demain ici à la même heure sur le plateau de WAM. Merci infiniment. Sortez couverts en haut et en bas. Dieu vous garde. Bye. Au revoir.